Votre camarade a laissé de jolis petits suçons sur les lieux, lui aussi. Pardon ? Il a laissé... J'ai bien lu, hein, mon... Pardon ? What ? Je veux une explication à l'emploi de ce terme. Des petits suçons ? Au sens figuré, j'entends. Je veux parler des empreintes digitales d'Henri Duplaisir. Pourquoi des suçons ? Pourquoi des suçons ? Les traducteurs, je veux une explication. Pourquoi ? What ? Mon cerveau a court-circuité, là, je peux vous mentir. Il est vrai que je n'ai pas eu le temps de regarder l'intérieur du sac. En revanche, j'ai bel et bien touché l'objet. Oui, l'objet qui était froid et dur, rappelons-nous. Entre ça et tout à l'heure, Godot qui nous parle de suçon. Et oui, vous l'avez touché. Phrase à ne pas sortir de son contexte. Et je m'en souviens très clairement, c'était dur. Je propose de passer à autre chose. Je l'ai astiqué. Ah oui, c'est ça, je l'ai astiqué jusqu'à janvier. En espérant la rendre plus jolie. Tout à fait. Mais là, je veux dire, faut... De toute façon, faut que je me remette l'esprit dans le droit chemin, voyons. Parce que quand elle parle sur le fait qu'elle l'a astiqué, je suis en mode, non, arrête, Anaï. Je sais que c'est parce que tu viens de faire plein de blagues, mais quand même. Après tout, nous n'avons rien de mieux à faire. Écoutons ses aveux, on n'a rien de mieux à faire, qui dit. Oui, je suis sortie du champ grammatical d'astiquer, tout va bien, merci. A few moments later. Ah. Vous tenez le bon bout. Lequel de bon bout, Godot ? J'ai besoin de savoir. Ou au contraire, je n'ai peut-être pas besoin de savoir. Fallait pas me relancer sur astiquer. Fallait pas me relancer. Le durée.